Après avoir établi un nouveau record de distance de 482 milles sur 24 heures, Cheminée Pouget-là a passé l'antiméridien, longitude de référence pour les circumnavigateurs qui doivent encore parcourir 180 degrés décroissants jusqu'à Barcelone. Pour moi, c'est une vraie frontière. C'est-à-dire là, que les chiffres diminuent, ça veut dire qu'on se rapproche. Et donc, plus les chiffres diminuent, nous, on n'arrive pas loin du zéro. Donc, c'est un signe de rapprochement. Neutrogena, pour sa part, est arrivé à Invercargill, au sud de la Nouvelle-Zélande, vendredi à 5h22 UTC, pour réparer son générateur et devrait y rester au minimum 24 heures selon le règlement. En attendant, le duo Stam-Lecam sur Cheminée Pouget-là augmente son avance. C'est sûr que c'est plus confortable, ça c'est clair. Après, il faut rester quand même dessus parce que personne n'est à l'abri d'un problème technique. Donc si tu veux, on va profiter du petit temps demain pour faire un check général. Et lui, il va repartir, si tu veux, après comme un galon, on remarque qu'on aura quand même un petit matin d'avance. Donc c'est assez confortable, on va dire. Derrière, tout en creusant son avance sur Renault Capture, Gaës est sur le point de prendre la seconde place à Neutrogena. Pushing all that we can, so pushing the lead car is not easy, but if we have the opportunity to catch Neutrogena, we will do it. We are not going to stop the road to let him pass. Ça va bien, on est un peu fatigué ce matin parce que on a eu des problèmes avec une voile hier. Et on a été obligé de l'affaler, de la rouler et puis de la réparer. En cinquième position, les frères Garcia sur Weirwater se préparent à affronter une dépression qui se creuse devant. Buenos días, desde el Índico Sur. Fijaros, el aspecto del día, qué terrorífico, ¿verdad? Porque está generando una depresión justo delante nuestro. Y aquí estamos con el Weirwater navegando lo mejor que podemos, intentando negociar las depresiones estas tan feas. Sixième de la flotte sur One Planet One Ocean et Farmaton, Alex Gelabert et Lilac Costa naviguent dans une mer très formée. Près de 4000 milles derrière les premiers, Spirit of Hungary se retrouve une fois de plus ralenti par un anticyclone. We're clearly not here to win the race, and we started a little bit on the back foot by not having a boat that was completely prepared and not having trains together. You know, the reality is that we need to find other ways to motivate ourselves and other ways to find satisfaction for being here and fighting for the lead. Tout devant, on profite sans stress de la calmie. Ah bah là, l'ambiance, elle a largement changé. Là, c'est plutôt tranquille, on est tous ici. Bon, il fait pas très beau, mais au moins, le bateau à plat, ça tape pas. On peut boire un café tranquille, reposer. Quant à Gaës, l'entrée dans les 50e hurlant est pour le moins surprenante. Après 24 heures et 8 minutes d'arrêt en Nouvelle-Zélande, Neutrogena repart. Y ahí el equipo de tierra ha hecho un trabajo excelente y ha sido verdad realmente un pit stop de Fórmula 1. Han estado 24 horas trabajando en no solo el motor sino en diferentes cosas del barco para dejarlo todo perfecto. Hemos perdido obviamente porque hemos tenido que desviarnos las 24 horas, pero nos va el barco perfecto para las próximas 12 minutos. Guillermo Altadil et José Muñoz, bien reposés, vont toutefois être freinés dans leur progression à cause de vents contraires. Gaës va-t-il pouvoir en profiter ? Réponse au prochain épisode. La dernière édition de la Barcelona, je naviguais avec Quito de Pavan sur Roubel et on avait été obligé d'abandonner au Cap Horn suite à une rupture de la quille. Donc, je suis très content d'être là et j'entends bien finir la course. J'ai fait plusieurs tours du monde et c'est vrai que sur le bateau, c'est moi qui ai un peu l'expérience de ce parcours-là. Donc effectivement, il y a une responsabilité. Enfin, nous, on est tous les deux des bons marins et il faut se partager le travail. Que ce que j'ai vécu dans les mers du Sud, ça va certainement nous servir. Le Jorg est un très bon compagnon en mer. En tout cas, moi j'ai navigué avec beaucoup de marins et
c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à naviguer avec eux. Je crois qu'on s'entend bien. 90 jours en mer dans un bateau comme ça, où finalement on est très proches l'un de l'autre. C'est difficile physiquement. On est tout le temps dans la recherche de la performance et du coup on va travailler pendant 90 jours en étant tout le temps fatigué. Il faut faire attention à l'autre. Il faut être capable d'admettre qu'on est fatigué ou qu'on est énervé. Et surtout, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se parler dans ces cas-là. Ce bateau a un très beau palmarès avec Armel Lefièche. Il a navigué aussi sur le Vendée Globe avec Bertrand Desbrock. Et nous, on a récupéré le bateau juste avant la route du Rhum. Alors, on n'a pas beaucoup navigué. C'est un bateau qui est assez simple. On s'est vite adapté. Alors, on s'est vite adapté pourquoi ? Parce qu'on a l'habitude de naviguer sur toutes sortes de bateaux. Et puis, on a fait beaucoup d'IMOCA l'année dernière. L'objectif principal, c'est de finir ce tour. Et ensuite, le deuxième objectif, c'est de finir sur le podium. Au matin du lundi 16 février, la lutte pour la seconde place entre Neutrogena et Gaës reste toujours incertaine. Ce qui n'empêche pas Anna Corbeia et Gérard Marine de s'amuser comme des petits fous, peut-être par excès d'optimisme. Ring, ring. Liceo Tianos, dígame. Hola, llamamos para pedir dos pizzas. ¿Qué pizzas quiere? A ver, una marinera y una de cuatro estaciones, pero de dos estaciones solo, de verano y primavera. Me da la dirección exacta, por favor. Sí, a ver, estamos en el Océano Pacífico número 1, al principio de la calle. Es la que está cayendo solitaria. Muy bien, pues más o menos unos 30 días, gracias. Vale, hasta luego. Au fur et à mesure, on semble tout de même se résigner à bord de Gaës. Pour Renault Capture, on voit ce match à 3 plutôt d'un bon œil. En termes de course, pour nous, évidemment, ça nous arrange parce que ça fait un concurrent de plus aux alentours de Gaës, qui ne sont quand même pas très très loin. Et une opportunité pour nous de nous rapprocher encore plus du podium. Sur We Are Water, on bénéficie de bonnes conditions pour reprendre quelques milles sur le quartier de tête. One Planet One Ocean et Pharmaton passent le cap Lewin. Et sur Spirit of Hungary, qui double ce même cap en dernière position, le moral revient. Hem passat al cap Lewin, el segon dels tres grans caps de la regata. Ara anem cap a Hormuz. Fernando is straight out of Spain as an Arctic and as a boat builder to see what his maybe can do. And so we've had so many bad luck with the wind, not having good conditions to be able to really pull on the machine. It's great to see what she can do finally. Coup de théâtre, mardi 17 février, Renault Capture est stoppé net dans son élan. Mauvaise nouvelle parce que tu sais, hier on avait cassé le safran, on a mis une pièce de secours par-dessus. On perd le contrôle du bateau dans les perfs. La barre devient super dure, c'est comme si tu perdais la direction de ta voiture en descente à 150 à l'heure, quoi, tu vois. En fait, en demi-performance, quoi. Le lendemain 18 février, Jörg Richers et Sébastien Oligan décident finalement de faire route vers la Nouvelle-Zélande pour tenter une réparation. En même temps, on avait pas envie d'aller faire les cons dans la mer, tu vois, avec un bateau qui devient fou, quoi. On espère régler ça en 48 heures. On espère, ouais, on fait tout pour pouvoir repartir lundi dans la journée, quoi. On a quand même envie de rattraper nos copains, alors on ne pourra pas rattraper tout le monde, ça c'est sûr. On vise la 5e place et si les conditions sont bien, pourquoi pas se rapprocher des deux frangins. Alors que Renault Capture se dirige vers Wellington, la tête de la flotte se prépare à affronter les dures conditions du fameux Cap Horn. C'est un peu une certaine délivrance entre tout ce passage océan Indien et Pacifique Sud, qui sont des régions très hostiles. Pujula est toujours leader. Il passera le Cap Horn dans la nuit du 24 au 25, entre donc mardi et mercredi prochain.
pour Neutrogena et Gaès, ça va être un petit peu un challenge entre ces deux bateaux à la sortie du Cap Horn, une ouverture en stratégie sur l'Atlantique pour tâcher d'être sur la deuxième marche du podium. Avec The Game, mettez-vous à la place des skippers engagés dans la Barcelona Road Race. Vous pouvez naviguer depuis n'importe quel endroit du monde et sur tout type de support. El joc és gratuït, dura aproximadament 3 mesos. Quan arribi l'últim vaixell real, al cap de 15 dies es tancarà el joc. À bord, vous pouvez utiliser 5 voiles d'avant différentes. Prendre des riz, prévoir votre route, calculer les distances au but. Des del The Game es pot seguir la regata real, no? Tenim geolocalitzat tot el que és informació de la regata real, com poden ser vídeos, imatges o els propis mails dels skippers virtuals. Vous pouvez bien sûr courir en temps réel contre les équipages engagés dans la course. Realment és un joc didàctic perquè al principi tu entres, pots tenir molta gent que no en sap de vela, no? I a poc a poc van aprenent una mica el que és el món de la navegació oceànica. El que són els rums, segons el vent, quina vela han de posar, o els pilots automàtics. Hi ha més homes que dones, no? Però és un perfil molt obert. Tenim doncs, des d'escolars que estan participant a gent amb edats entre els 40 i 60 anys. No? Testem tot de dades que ens venen de l'Ogrip, com són doncs, això les onades, com són la quantitat de pluja en un cert lloc. Tot això ho representem en el 3D. Et pots imaginar com aniria el teu vaixell en aquell moment. Actualment estem uns 27.000 usuaris de 167 països del món. És un joc que es pot jugar 24 hores, 7 dies a la setmana. Els premis doncs, anirà un per les etapes guanyadores. Donem un cotxe de premi, que és per al que ho faci en menys temps. Algun jugador ens ha inscrit doncs, que després de l'experiència del joc doncs, es va animar a fer el per o a sortir amb algun vaixell i iniciar-se en aquest món de la vela.